Ah. Merde, j'ai du monde. Déjà 9h22 minutes de jeu. Joue à Sekiro en ce moment. Shadows doit die twice. J'ai pas du tout envie de jouer à Sekiro parce que moi, Dark Souls c'est le passé. J'étais content, j'ai joué à Dark Souls. J'ai fait le 1, j'ai adoré le 2. Le 3, j'ai trouvé bien. Voilà. Maintenant, j'arrête. Et ouais, je suis comme ça. Après, c'est un nouveau jeu, hein, mais. Dernière mission, nous avons réussi à visiter l'île et à visiter l'Aurora. J'ai pris deux fois quand même. On est arrivé et on commence. On a une chambre d'immersion, on a un Simos. Et maintenant, notre gros problème c'est de trouver ces putains de rubis. Okay. Et on va en trouver. Yes! Ah non, je crois que c'était chargement du niveau 100%, bah non. Ça arrive, ça arrive. J'adore ce jeu, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux d'y jouer et en plus de le streamer. Parce que je peux partager ce jeu, c'est comme si je jouais avec des potes, tu vois. Quand c'est à 40%, c'est. Disons 90 secondes de chargement à chaque fois. Et 3 minutes de sauvegarde, très important. Yo Wilmo, ça va? On part à Subnautica, encore une fois. Ah, enfin! Je ne sais pas pourquoi j'ai. Pourquoi j'ai cette chose dans les mains? C'est n'importe quoi. Ok. Regardez ma belle chambre à coucher, je l'adore. Alors, aujourd'hui, notre gros problème, c'est bien entendu d'avoir. De trouver des rubis. Attendez, je vais mettre devant. Quand on s'assied, hein, je vais m'asseoir. Quand on s'assied, voilà. On ne dépense pas d'eau à boire et à manger. Donc, notre gros problème, c'est de trouver des rubis. Et ensuite de faire un maximum d'upgrade pour se préparer à la deuxième grosse partie du jeu, qui va être l'exploration un peu vénère des profondeurs. Évidemment, le jeu va augmenter en comment ça s'appelle? Attendez, je fais des mini tests pour le chat. Le son est bon ou pas? Attendez. Le son est ok. Après, je ne. Attendez. Ok. Donc, oh là, ouais, tout est pas fou. Donc,
Je vais dans ma chambre d'immersion. Salut, bonjour, bonsoir à tous. Alors donc comme je disais, pour ceux qui n'étaient pas là, donc j'ai une belle base, je l'aime beaucoup. On va essayer d'upgrader ça, ce petit machin, et on va aussi. Je voudrais, ça ce serait bien d'améliorer le bon bundle. Il faut un lingot de plastacier. Oh yes, j'ai du lithium. Fantastique. Donc genre, on va commencer par ça. Ouais. Alors ça c'est la good news dans métaux rares. Là, ça va être un peu le moment où on récolte les bienfaits de nos mentors. Donc voyez, j'ai ce truc. J'ai ce réservoir haute capacité qui me donne 135 à gauche, 135 secondes j'imagine. Donc là, je vais l'upgrader en un truc qui va me donner encore plus de temps. C'est-à-dire qu'encore plus d'autonomie. Wow. Voilà. Et donc maintenant, j'ai un truc qui me donne 225 secondes sous l'eau. C'est la teuf totale. Ok, ça c'est cool. Ensuite. Palme, alors palme ultra glissante, il me faut des palmes, j'ai déjà, du caoutchouc en silicone, du titane et du lithium, j'ai tout ça. J'ai bien fait de ramener vraiment une tonne de lithium, c'était vraiment une très très bonne idée. Alors du lithium, du titane c'est ça? Ça se trouve j'ai pas de titane. C'est bon. Du silicone, j'en avais fait plein au début aussi. Finalement aucun regret, hein. Ce n'était pas du perdu. Et il me faut des palmes, je vais les enlever. Salut. Ah bah, ce qui me fait plaisir, c'est que Wilmo dit que le jeu est beau, c'est-à-dire que le stream déjà marche bien en termes de qualité. Toutefois, vous avez des baisses de qualité, vous me le dites. Et je réinitialiserai des trucs. Ah, il me faut un autre caoutchouc en silicone. Donc là, j'ai upgradé non seulement... Ma capacité à être sous l'eau, mais là aussi ma vitesse. Ok, ça c'est cool. Ensuite, canon à propulsion, on s'en fout. Amélioration pour Cyclops, on l'a pas encore. Amélioration du CMOS. Alors, il me faut de la magnétite. Ah, du verre émaillé, ça c'est vraiment super nul. Ok. Bon. Ok. Il me faut du rubis, de toute façon. Attends. Qu'est-ce qu'il me faut? Je re-regarde le module. Donc, magnétite x2 à du verre émaillé. Ah, c'est trop nul. Ok, on va tenter de chercher de trouver du verre émaillé. Donc, je vais quand même... Alors je suis un peu fatigué aujourd'hui, je risque de faire des grosses bêtises. Donc si vous voulez faire des grosses bêtises, vous écrivez en caps. Ah merde, alors attends. 1, 2, 3, ok, et je vais planter le dernier. J'espère qu'on est toujours... voilà. Ensuite. Donc là je suis quand même plutôt... plutôt bien équipé. Donc j'ai besoin, il faudrait de la magnétite, je sais où en trouver. Magnétite, c'est l'endroit où il y a les champignons roses. Il faudrait des rubis, ça c'est chaud. Et il me faudrait du verre émaillé. Ok, on va tenter le verre émaillé. C'est pas méga utile en fait. Ok, alors je vais vous montrer comment faut faire. C'est ce machin qui donne le verre émaillé. Alors il faut prendre un débris métallique. Et ensuite je le prends dans la main. Je fais comme un petit chat. Je fais regarde. Allez vas-y prends. Hop, il le ramasse. Et normalement il laisse tomber une dent. Si je l'ai bien aussi. En même temps. Ok, je lui reprends. Ça lui plaît pas trop en général. Il y a une chance que quand je fais ça, allez, et attends, allez hop, la récupérer,
j'ai dit non. Faut insister parfois. Ah si. Ah non. C'est-à-dire, il avait se tombé une dent maintenant. On retente encore? Allez. Faut insister parfois. Et il y en a deux là, ça va bien. Allez, venez les gars. Battez-vous. C'est l'autre qui l'a pris. Merde. Ils ont, comme les chiens, ils les mettent dans des endroits, tu vois. Salut Aleti, salut Mr. Spook. Est-ce que ça va bien? Ouais, ça va. J'ai passé une journée un peu dehors, donc c'était cool. Alors là, j'ai perdu à la fois le mec et... Faut que je le retrouve. Et c'est cool ça. Maintenant, j'ai tellement une autonomie de profondeur qui est... Ah. Alors, ça c'est quoi? Alors, le verre émaillé, c'est un truc qui est théoriquement facile à obtenir, puisque il suffit de faire ce que j'ai dit là, c'est-à-dire tu donnes un rôdeur un morceau de métal. Mais à la fois c'est super relou parce que ça marche pas toujours. Qu'est-ce que je fais avec ça là? Ça m'énerve, je vais prendre ça là. Voilà. J'ai plus beaucoup de piles hein. Je serais pas contre avoir un chargeur de piles. Alors. Alors toi je sais où t'es mais je sais pas où il y a le... Alors comme il fonctionne comme des chiens, c'est-à-dire qu'il stocke le verre, ah, tu vois, il stocke le verre émaillé dans des coins. Ah d'accord, bah tiens, je... Merde, il est où? Tu vois, il veut pas que je lui prenne, du coup il le cache. J'ai besoin de ça parce que j'ai besoin d'une pile. Ouais. Je vais te le prendre. Il l'a mis où? Il l'a rangé. Ah, il est là. Ah, t'es pas content, hein? Alors, je le reprends dans la main. Je viens là. Hop. Voilà. Et là, hop, il y a une dent qui est tombée. Voilà. Je vais voir si je peux le refaire deux fois. On tente hein. Et viens là. Hop. En fait, en général, j'obtiens une seule dent par rôdeur. On tente hein. Moi, je ferme les dents là. Voilà, prends. J'espère que je le rends pas fou quoi. Un peu de la maltraitance hein. Allez hop. Voilà, prends. Ah il a pas pris. Vas-y prends. Il a pas pris. Ok, on le refait. Il faudrait que j'aille. Je sais, il faudrait que je remonte. Ah merde. Calme, t'es où? C'est quoi, je remonte? 2 minutes. Le coup du poisson chien, on le trouve en pleurant par l'expérience. En fait, à la base, tu peux. Alors, comment on le fait? On le trouve avec la. Il est où le chien? On le trouve de base avec une salle. En fait, une salle de scanner. C'est-à-dire que tu as besoin de. Tu dois construire un truc. Ah, il est où? Il est là. Viens là. Comme la Moon Pool, tu vois. Et donc, mais moi, j'ai trouvé ça super relou, sauf pour les dents. Et je récupérais toujours les dents et en fait j'ai compris à un moment que ça fonctionnait comme ça. À moins que je me trompe hein, mais je crois que c'est comme ça. Je crois qu'en fait, il n'y a pas la peine de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut attendre simplement qu'il le ramasse. D'accord. Ah merde, je l'ai pris. Ah j'ai pris une dent de rôdeur, non? Performing a self-scan is advised.
Il me demande de faire un auto-scan. Tiens, vas-y, prends déjà. Ramasse. Allez, ramasse, 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 ramasse. Mais j'accélère un peu le processus en fait de leur. Ah voilà, encore une dent. Yes. Bon, ok. Je voulais juste vérifier que je pouvais fermer les dents. Allez, on retourne à la base qui doit être. Les Oreos, c'est pas mal. Je vais aussi ramasser deux petits. Il est là, mon Simus. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai créé une chambre d'immersion. Et je vais me. Attendez, elle est où? Elle est là. C'est comme dans Abyss, on peut rentrer, mais. Et ça recharge mon Simus. Donc du coup, je vais extraire cette amélioration. Voilà. Qui permettait d'aller de 200 à 300 mètres de profondeur. Et on va essayer... Alors j'ai besoin de quoi pour améliorer? Attends. Donc j'ai besoin du module de profondeur, d'un lingot de plastacier, de deux magnétites et d'un verre émaillé. Ok. Un seul verre émaillé. Un verre émaillé, ça veut dire deux quartz. Est-ce que j'ai deux magnétites? Je pense que je les ai mis dans mes métaux rares, les magnétites. Yes, j'ai deux magnétites. Ouf, pas une de plus, hein. Et je vais avoir besoin de plein de titane. Genre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va me falloir du lithium, mais je sais pas combien. Moi, il va falloir que je fasse une razzia encore. Je prends 3 lithium. Allez, on se concentre. Donc, j'ai besoin d'un lingot de titane. Moi, j'ai pas très faim. J'ai bien mangé aujourd'hui. Je suis content. De verre. De verre émaillé. Et d'un lingot de plastacier. Regardez comme c'est bien fait. Voilà. Bim. Donc voilà. Ça c'est bien. Et ça c'est combien? Ah, il faut du rubis maintenant. Alors les rubis c'est mort, j'en ai pas. Justement je suis en train de créer le truc. Là le... Ah, non non non, je vais pas rentrer. Non. Je remonte, excusez-moi. All systems online. Accéder aux améliorations, voilà. Donc la nouvelle profondeur va être de 500 mètres, ok. Donc ça c'est bien, on peut aller à 500 mètres. Cool, cool, cool. Il y a également un truc qu'on peut faire qui serait un peu pratique, c'est de mettre un, et on peut mettre un petit casier dans notre Simus. Donc module de Simus, donc pour une profondeur je l'ai. Chargeur solaire c'est pas mal, c'est un peu c'est-à-dire que dès que je vais à la surface, il se recharge. C'est pas super utile. Non, ça on s'en fout. Storpie, on s'en fout. Ah non, alors c'est pas là. Renfort de coque, je pourrais faire ça. Donc en gros ça fait moins mal, mais j'ai plus de diamants. Et ça c'est pas mal. Un lithium et 3 titanes. Ça permet de faire un... d'avoir un peu plus d'espace dans le... Marc là je dis je veux pas de renfort de coque, mais ça se trouve... Mais j'ai pas de... 3 titanes, hein. Ah, je cours dans les coursives tellement je suis enthousiaste. Voilà. Donc là, mon... Et il est où? Il est de l'autre côté. Mon petit Simus. Il peut... je peux stocker des trucs dedans. Voilà. Donc là, on peut commencer à aller à la chasse au rubis. Ah, il me faut aussi un truc. Sortir, il me faut deux. On voit plus rien. Deux champignons, on va créer une petite pile là, parce que je suis un peu à court de ressources de pile là. Voilà.
Alors, on va faire le plein. De quoi j'ai besoin? Un matos. J'ai besoin de ça, c'est sûr. J'ai une seule pile. Oh là là. Celle-là, elle est à 0%. Je vais prendre un autre. Donc, j'ai besoin de ça. Constructeur d'habitat, j'en ai pas besoin pour le moment. L'argent, je vais le stocker dans métaux. Je suis désolé, mais il va falloir que je reprenne encore du. Faut que je crée encore deux piles parce que j'ai vraiment besoin de piles. Par contre, je vais mettre ça là. Voilà. Je vais chercher aussi. Salut Blue Sky. Salut Artie. Alors là, on va aller dans un endroit aujourd'hui quand même très 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 dangereux. Enfin, c'est pas le pire endroit, mais il va falloir. Attends, j'ai besoin de. 1, 2, 3, 4, voilà. On crée des piles. Alors, il est où? Merde. Donc, elle est belle ma base. Regardez, c'est Abyss, hein. On va. Notre objectif aujourd'hui, mesdames et messieurs, est de récupérer un maximum de rubis. Or die trying. Ok. Et j'ai besoin pour ce faire. Donc, de quoi je n'ai pas besoin? Tout est utile là. Ok, je garde ça. On va se nourrir un peu. Il a poussé. Franchement, 4 arbre-bulbes, ça suffit. J'ai surmangé, mais osef. Allez, on part pour l'expédition. Là, je peux aller à 500 mètres de profondeur. Donc, notre objectif est d'aller sur la fameuse, la grosse île, et on va plonger à la verticale de l'île, où se trouve une zone assez dangereuse, mais aussi avec des rubis. Alors, je rappelle que je joue en mode extrême, c'est-à-dire que si à un moment je meurs, bah, je meurs. Descendre un petit peu. Ça, c'est quelque chose que j'ai visité déjà, puisqu'il y a un trou, comme vous pouvez le voir. Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien. J'ai tenté. Ah! Mais bon, je me suis pas fait mal. Salut aux vers de terre. Non, j'ai pas regardé à Wii U Revolution, ça va me déprimer, ça va être un jeu excellent. Un seul jeu excellent à la fois, s'il vous plaît. Aïe, je viens de me prendre un poisson. Sinon, j'ai un autre endroit, éventuellement, où on peut trouver des rubis, mais c'est un peu. C'est chaud, chaud patate. On va en profiter pour visiter un petit peu le dessous de l'île et même aller dans cette zone-là. Là. Donc souvenez-vous, l'île en fait n'est pas une île traditionnelle sur un socle marin, mais c'est en fait une île flottante. Vous voyez, qui est poussée vers l'eau grâce à ces gros, grosses choses. Là, il y a un datapad qui dit quoi? Donc à chaque fois, il y a des endroits comme ça. Repair the long range comms. Make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. Je vérifie quand même que j'ai pas de soucis.
Bon, allez, j'étais venu pour du rubis, on va faire du rubis, hein. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan class predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Ok. Alors là, j'arrive dans cette zone là, qui est dangereuse, d'accord. Il va falloir y aller tout doucement. D'accord. Donc si vous voyez des points rouges, vous me le dites. Enfin, rouge vif, hein, rouge rubis. Parce que c'est ces points-là. Oh yes! Il y a un bruit, il y a un bruit, il y a un putain de bruit là. Donc là, il y a un rubis. On y va. Hop! Putain. Nous, il nous en faut 12. Allez. Alors je cherchais des rubis, j'étais vraiment bloqué. Et là, avec l'aide d'une amie, je peux le dire, j'ai un forum de jeuxvideo.com. Et un mec a dit, avec beaucoup de fautes d'orthographe, mec, tu cherches des rubis, ben tu vas sur l'île et là tu plonges juste avant. Et là, t'as une paroi, t'as une chier, enfin pas tout à fait une chier, mais beaucoup quand même. Voilà. Donc je sais pas qui t'es, Sephiroth78, mais grâce à toi... Non, je n'ai pas pu jouer à Baba Isu, je ne joue qu'à Subnautica en ce moment, je joue à très peu de jeux. Je pense que... peut-être mon prochain jeu, qu'est-ce que ça peut être? Alors là, je suis... Prudence... Oh yes! Vous voyez sur... Oh! Il y en a deux! Il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Là normalement déjà je suis tiré d'affaire. Mais ouais, on va essayer de doubler la mise, vous voyez ce que je veux dire? Tout en restant en vie. En fait je trouve qu'il y a, un truc qui est assez ouf dans Subnautica et le syndrome du naufragé et du Robinson. Oh attendez. Non c'est bon. C'est que, tu sais, quand t'es un Robinson sur une île déserte, tu découvres un truc de merde, genre un morceau de noix de coco, et t'es hyper heureux. Et là, c'est pareil, je veux dire, j'ai trouvé un rubis, et t'es vraiment là, ouais, trop bien. Alors qu'après, tu vas vraiment, comme disait Sephiroth78, tu vas avoir une chier de rubis. C'est joli quand même. Je regarde aussi la température parce que parfois il y a des courants. Faut faire très attention au bruit aussi. J'avoue que j'ai un peu peur. On peut avoir des rubis. Oh merde. C'est bon, tout va bien. J'ai eu un petit. Mais c'est plutôt joli ici, hein. Oh oh oh. Je tente ou pas? La chance serait aux audacieux, n'est-ce pas? Putain, un titane de merde. Sérieusement. Ah, c'est déjà mieux. C'est peut-être un endroit plutôt cool pour faire une base là, non? Vous trouvez pas? Donc là l'objectif, une fois que j'ai les rubis, c'est de créer un exosquelette de métal. Alors Shingui, je dev en semaine uniquement. Et le week-end, je joue à Subnautica. Et en fait, je te dis, parfois j'ai pas la foi, alors je fais ni l'un ni l'autre. Aïe! C'est bon, rien de grave. Ok. Un petit rubis. C'est joli cet endroit quand même, moi j'aime bien.
Oh putain, non c'est bon. Rien du tout ici. Je vois rien. Je me suis pris un petit 95% parce que il y a des poissons qui me sautent dessus. Ah merde, ma merde. Vous l'avez entendu? Ça c'est le bruit des téléporteurs, des mecs qui te téléportent près d'eux et qui te tuent. Je me suis... Oh putain, le stress. Je viens d'avoir un... À droite, il y en avait un. Oh merde. Je reviens un peu en arrière. Oh! Oh! Vous avez vu ça? This may be the migration path of a huge, bottom-dwelling life form. Attendez. Ça, il faut que je le scanne, ok? On y va. On y va, on n'a pas peur. J'ai hyper peur, là. Merde, il me faut mon scanner. Yes! Donc j'ai un tiers du gros sous-marin. C'est la bonne nouvelle, ça. Quoi ce trou là? Oh là 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 là. Attendez. Donc là je suis un peu. On est un peu. Comment dire? Je vais réparer. Pas grand chose mais. Oh ça c'est trop bien! C'est des champignons des abysses, j'en ai hyper besoin. Des champignons hyper 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 vénère, enfin hyper 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 acide. Et du coup on peut faire de l'acide chlorhydrique avec. Et je vais en faire une petite. Je pensais qu'on en trouvait mais genre hyper plus bas. Là il y a du sel. Il y a du sel. Ah elle est chouette cette caverne aux champignons. Ça c'est de l'aérogel, c'est super pratique mais j'ai déjà fait ma petite... Je m'enfonce dans les... Oh là là. J'ai un peu peur hein. J'espère que je vais trouver un moyen de m'en sortir. Ce serait bien de trouver une, genre, une mine avec plein de rubis. Rubis au plafond sur la caverne? Y a pas de... Non, c'est pas de rubis. Non, non, non. Non, ils sont beaucoup plus rouges. Oh! Yes, il y en a un là. Là j'ai le cœur. Non, 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 non. J'ai le cœur qui bat, mais de ouf. Et en vrai, j'ai fini le jeu, je suis jamais allé dans cet endroit. Je ne sais pas du tout ce que c'est que cet endroit. Alors. Oh! Gentil. Je connais une... Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour. Un pèlerin des mers. Pèlerin Léviathan des mers. Oh là là.
un rubis à gauche. Ok. Ouais. Je dois ouvrir un pot de confiture, un pot de... Compote. Compote de pommes. J'y arrive pas. Est-ce qu'il faudrait peut-être soulever là? Je suis désolé. Je n'ai pas réussi à ouvrir un pot de compote de pommes. Bon, je commence à avoir soif là. Je crois que je vais rentrer dans le jeu. Donc je vais essayer de trouver un chemin pour retourner à la base. Je m'octroie encore jusqu'à la moitié de soif. Et après je reviens à la base. Aïe. J'ai pas du tout envie d'aller là. Ah, j'aurais dû taper sur le fond du bocal, vous avez raison. En fait, vous m'aidez pour les rubis et pour le bocal, c'est chouette. Aïe. Oh. Ok. Alors. Aïe. En fait, il faudrait trouver un moyen pour fabriquer de l'eau à la volée, quoi. Sans avoir à la stocker comme un con. Attends, je rate même pas les parois, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Yes! Non! Notre opération Ruby se passe plutôt bien. Et j'espère qu'il y a une sortie à cette caverne souterraine. Hein. Yes, encore un rubis. Est-ce que l'appât du gain va me trahir? C'est-à-dire, je vais mourir. Je sais que j'ai cette fameuse technique de, au moment où je vais mourir, je vais éteindre la console de rage. Et comme ça, ça aura pas sauvegardé, quoi. Mais je serai un peu vénère. Mais... Ou est-ce que je mourrai dignement? Allez, j'arrête. Maintenant, officiellement, j'arrête, c'est mon dernier rubis. Hein. J'ai trop de rubis, ok? J'ai pas pris à manger, je m'en veux, grave. Alors, il faut sortir d'ici. Alors, on va trouver une sortie. C'est comment on fait pour sortir d'un labyrinthe? C'est main gauche sur mur gauche. Donc là, en l'occurrence, c'est... main gauche... Ah, un rubis? Non. Bon, ok. Attends, est-ce que j'ai des balises? Ah putain, j'ai même pas pris de balises. Ok. En cas d'échec, j'éteins la console. Non, en fait... Je sais pas trop... Oh putain, il y a des rubis de partout en plus. D'accord, il n'y a pas de sortie. Je le vis bien, je suis un peu en stress quand même. J'ai encore le temps, j'ai vachement le temps. J'ai le temps et j'ai une bouteille d'eau. Une sortie par là? Il y a 10 mois que c'est une sortie. Il y a encore des rubis là, vous les voyez? Ah, il y a des rubis partout! Vous allez me voir mourir de soif dans un sous-marin, quoi. Aïe. Ah.
On est bon. J'aurais même pas utilisé ma bouteille d'eau. J'ai cru que je m'en sortirais jamais. Hein. Les poules graves. Main gauche sur mur droit, c'est plus compliqué. Non, mais en fait, quand vous êtes dans un labyrinthe, bah, vous le savez mieux que moi, de toute façon. Mettez la main gauche sur le mur gauche. C'est quoi ça? C'est du sel. Ce qu'il faudrait, c'est une machine à créer de la bouffe. Ce serait génial. Dans la vie réelle aussi, tu vois. Tous les soirs, je me ferais des pizzas, mais ce serait trop bien. Bon, donc vous savez quoi? Si vous pouvez télécharger la musique de Pacific Rim, parce que je suis sur le point de créer un robot géant, tout à fait. J'ai même pas pris de balise avec moi, je suis vraiment une dégueu. Pas grave. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je vous jure que je n'ai jamais vu cet endroit, ever. Tellement gros. Alors, il faut que je note que la caverne que j'avais trouvée, elle était au sud-ouest. Tellement de trucs à noter dans ma tête que je note jamais, en fait. Alors ça, j'ai pris. Ah, mais ça, j'y étais hier soir, vous vous souvenez? C'est là où j'ai fait la connerie de... j'avais oublié de scanner un truc, j'ai dû revenir en arrière. Ah, là c'est les champignons. Salut Tolmir. Ouais, Astronir. Mais Astronir en plus c'est coop. Mais là, en fait, la peur ça fait partie du truc. Regardez ma belle base. Je la vois grâce au clipping du jeu et j'en suis hyper fier. Non, c'est vrai. Ah, regardez ça. On a survécu, on est bien. Attends, je vais sauvegarder un peu mon... Est-ce que vous... Alors, je vous donne une petite tâche, les viewers. Est-ce que vous pouvez me donner un nom cool pour mon Simos? Ça serait vraiment chouette. Simos. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Alors, première chose qu'on va faire... On va planter nos petits champignons. Ah oula, je vais boire. J'allais mourir de soif. J'oubliais ce pourquoi. Alors, tiens, on va manger de l'arbre bulbe. Allez, allez. Voilà. Encore. En plus, il y a un petit bruit de. Comme quand tu manges dans un truc croustillant, tu vois. Ça me rend vachement heureux. Voilà, ça va mieux. Ensuite, on va planter là nos champignons abyssaux. Petit dépôt de fleurs. Voilà. Donc en fait, c'est pas très chouette. On va pas le planter tel quel, mais bon, je vais le mettre dans un premier temps comme ça. Donc là, ils sont en pleine maturité, comme vous pouvez voir. Est-ce que je vais faire. J'espère que ce poisson ne va pas manger mes champignons. Ce que je fais, c'est que je le. Voilà, je récupère des graines. Et en fait, je replante les graines. Quoi. Enfin, là, je fais des. Hop, voilà. Comme ça. Parce que ça va. En fait, c'est assez utile sur la fin pour faire de l'acide chlorhydrique. Je prends des super batteries de la mort. Bref. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, très important, nous allons créer notre robot géant. Alors, regardons un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le prawn? Il me faut 2 lingots de plastacier. 2 aérogels, du verre émail, ah 2 diamants, ça c'est pas cool, du plomb et du plomb. Okay. J'ai combien de diamants? Ah j'ai 2 diamants. Oh là là, je crois que j'ai tout. J'ai du plomb ou pas? Ah non, j'ai pas de plomb. Trahi par la... Ah, il me faut du plomb. Il me faut du plomb. Où est-ce que je vais trouver du plomb les gars?
mange un. J'en mange deux. Et je replante. Salut Arkham, le Nebuchadnezzar. Pour le Simos, c'est un peu trop gros. J'aurais préféré un truc genre. Tu vois, le... C'est quoi? C'est un nom spécial? Le vaisseau de Morpheus dans Matrix. Mais par exemple, imaginons alors qu'on n'aime pas Matrix. On fait quoi? On change d'avis. Alors, on va essayer de trouver du plomb. Où est-ce que je peux... Je réfléchis dans ma tête. Où est-ce que je suis? Où est-ce qu'il y a du plomb, bordel? En fait, je vais y aller. Allez, à la recherche du plomb. Alors, il faut que je... Alors maintenant, il faut que je trouve des petites. Comment ça s'appelle? J'ai pas besoin de ça pour le moment. Faut que je trouve des petites coques. Ronde. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, je vais tellement vite qu'avec les palmes, que j'ai même presque plus besoin de. Oh merde! Qu'est-ce qu'il fait là? Il est ouf ou quoi? Comment il s'est énervé? Attends. Oh, y a un... en fait, je me suis dit. J'aurais dû stocker mes. Oui, j'aurais dû stocker mes rubis, mais bon, c'est pas grave. Alors. Y'a pas du plomb quelque part là? Tiens, je vais me stocker là, tranquille. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour le plomb. Oh putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est une base? Ça, je l'ai visité hier. Donc, Osef. Alors, attends, est-ce que je peux descendre là? Ah, bah, c'est ça que je cherche. Parfait. Du plomb! Ok, j'ai un plomb. Du titane, sans ça. Bon, avant de descendre là-dessous, c'est quoi? Je vais prendre de l'oxygène. Et après, on y va. Tout son énergie. Quoi, je vais changer de pile préventivement. Voilà. J'ai même le. Oh, elle était où? Ah, mais je suis con, j'ai même pas repris l'oxygène qu'il fallait. Oh là là. Alors, vous dites quoi? Le fibrotor. Alors, excellente suggestion de lune virtuelle. Tu pourrais appeler ton Simos, n'oublie pas les balises. Effectivement. Effectivement, puisque. Ça me rappelle un peu le mec dans Game of Thrones qui a appelé son pseudo la carte. La carte, c'est pour le sceptre SVP. Alors. Donc, j'en étais où? Allons là. Alors, est-ce qu'il y a des choses là? Faut faire attention. Ces trucs sont empoisonnés. Alors. Du cuivre, je prends quand même. Hein. Ah. Il faudrait que je note quand même où est-ce que je vais. Ah putain. Ah yes, du plomb. Allez, du plomb, s'il vous plaît. Petit Jésus, du plomb. Yes, du plomb. Hé. Bon, comme j'ai un peu de rab, on va. Allez. De l'or. Ouais, c'est plutôt utile de l'or. C'est un roi, il n'y a plus que dinosaures. Mais en fait, je crois que Matrix, ils avaient. Alors, on me demande là, d'où vient Nabucodonosor avec une petite. Tout en étant sur Wikipédia, ce qui est un peu de la triche. Donc, moi, je réponds à vue de nez, vu que Matrix était dans un délire de Zion, babélisé, tout ça, etc. À mon avis, c'était le roi de. Enfin, c'était le roi qui a fait la tour de Babel, non? Tout comme ça? Ah, ça veut dire un truc, Nabucodonosor? Vas-y, raconte.
Alors, donc ça veut dire Nabu protège mon fils aîné. Waouh, on en apprend des choses, c'est trop ouf. Alors. Donc, j'ai besoin de quoi? On va réfléchir. Nous reprenons notre construction du Seamoth. Ah non, pas du Seamoth, du Brown. Alors, j'ai du plomb. Il me faut du diamant. Dans les métaux rares, tiens. Je vais prendre les deux diamants. Je vais enlever tous mes rubis, sauf 3. Deux même, je crois. Alors, donc, j'ai besoin de... Alors, diamant, checked. Plomb, checked. Verre émaillé. Alors, verre émaillé, il me faut... Et là, j'ai le nez creux, hein. Il me faut cette putain de dent, là, que j'ai dû mettre là-dedans, je crois. Voilà, j'ai besoin de ça et d'une dent. Oh là là, c'est parfait. Je vais tout de suite le remettre. J'aime pas Matrix tout la fin. En fait, j'ai un confidence de vieux. Matrix, j'étais déjà assez vieux. Bon, j'étais plus à l'école quand il y avait Matrix, vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu... Alors, on a fait... Donc j'ai quoi? J'ai... Donc checked, verre émaillé, aérogel x2. Alors ça c'est super relou, ouf. Relou. Donc l'aérogel, alors l'aérogel... Enfin, je veux faire l'aérogel, admettons. Alors aérogel, il me faut un rubis et un sac gélatineux. Ah, il se trouve que j'ai beaucoup de sacs gélatineux parce que j'avais anticipé cette situation de merde. Et je vais faire la technique de, à chaque fois que je consomme, je recrée. Là, effectivement, ah merde, je vais replanter dans ce pot de fleurs les... Voilà. Je vois pas pourquoi. Alors, le rubis, en fait, c'est un oxyde de... oxyde d'aluminium, si je me souviens bien. Et donc c'est un polymorphe du corindon. Tout comme le saphir, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi ça crée de l'aérogène, mais bon. Alors, donc, check. Il manque plus que... un lingot de plastacier. Alors, lingot de plastacier, il faut 2 lithium. Est-ce que je les ai, les 2 lithium? Les 2 lithium, je les ai pas. C'est dans métaux rares. Je commence à bien consommer mes lithium. 1, hein. 2. Je vais stocker mon or là. Et j'ai besoin de. Ah! J'ai besoin de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais avoir besoin d'encore. Oh là là. De 10 titanes. Alors, lingot de titane. Et il me faut un plastacier. Il me faut... Ok, il va me falloir... Il faut que je trouve 10 titanes. Ok. Alors, il faut que je trouve 10 titanes. Je pourrais le dire d'une autre façon. 10 titanes, il faut que je trouve. Allez, j'ai faim. Je replante. J'ai soif. Voilà. On va chercher le titane. C'est pas la mort de trouver le titane. On va en trouver un peu partout. Est-ce que j'ai vu Cloud Atlas? J'ai pas trouvé ça dégueulasse, Cloud Atlas. C'est un peu cucu, hein, on est d'accord, on peut le dire. Hop, j'ai pris ça aussi, j'avais besoin d'eau. Attends. Alors, quand il y a des rôdeurs, il y a... Ah voilà, il y a ça, c'est ça que je cherche. Oh non, mais rends-le-moi. Oh putain, il m'agresse. Oh là là. D'accord, ok, attends, je me soigne. Putain, ils m'ont agressé. Je voulais leur morceau de... Allez, vas-y, pose-le. Voilà. Oh non, ah voilà, hé, hey, il m'a pas eu. Putain, je l'ai ramassé ou pas? Eh ouais. Désolé. Je suis en train de me battre
contre des chiens des mers qu'on va pouvoir des. Ça y est, il se couche là. Il y a un petit titane, pour une fois que je vois du titane. Du cuivre. Bon, je prends quand même. Hein. Titane? Ah putain, du cuivre. Il y a des moments où j'aurais vendu toute ma famille pour avoir du cuivre, et là maintenant j'ai trop de cuivre. Je remonte un peu. Ah putain. Allez, hop. On replonge. Alors là, il y a trois petits cailloux. Avec un peu de chance, j'ai trois titanes. Ok. Alors, une chance sur trois. Titane, un titane. Allez, hop. Donc là, je suis à 7 titanes. Ah non! Yes, donc je suis à 6 titanes. Allez, 7 titanes. Même dans les endroits familiers, c'est un peu stressant quand même. Hein. What? Non, j'ai déjà fait ça, c'est pas possible. Attends, qu'est-ce que c'est que cette chose énorme? J'ai déjà visité, non? Si? T'as vu ce machin? C'est énorme. Attendez. Je suis un peu en état de choc devant cette énorme chose. Allez, reprends un peu d'air. Voilà. C'est parti. C'est marrant parce qu'il y a une carte incompréhensible qui s'affiche de base qui bloque le chemin. Voilà. Je veux juste... Je veux pas la carte. Je veux juste... J'arrive pas à switcher les modes. Voilà. Alors attends. On peut rentrer par là? Non. Les gars, dites-moi qu'on peut rentrer là, c'est trop bien. Je veux visiter cette énorme chose. Évidemment, lutte virtuelle, spéciale dédicace pour toi. Hop 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 hop. Ah putain, il y a un morceau de métal. Oh, il y en a deux! Non! Il y en a... Oui, il y en a plein. Ok, je vais prendre ça. J'ai oublié de prendre une balise, bien entendu. J'ai oublié de prendre une balise, bien entendu. Je vois des trucs là, tu vois, je vois ça là, c'est quoi? J'agrande si on s'en fout. Mais ouais, alors il est où par rapport à ma. Il est plein ouest. Ok, on ira plein ouest tout à l'heure. Mais avant cela, nous avons une chose à compter. Cette base magnifique serait-elle la mienne? Elle est majestueuse, elle est belle. C'est chez moi. Par où on rentre? Oui. Je vais pas rentrer par là. Je vais rentrer par, dignement par la véritable entrée. Et franchement, en plus, moi je suis pas genre un crafter de base. Hein. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des bases mais trop belles. Ah merde, j'ai pas assez pour faire un... J'ai combien? Ah oh, putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh mais fais chier. Je vais aller par là, tiens. Qu'est-ce qu'il
fait là, lui. Ouais, ok. La quête du titane. Enfin, ce stade-là du jeu, il cherchait du titane, les gars. C'est bien, ça nous... on met en perspective les choses. Ah. On peut pousser les trucs, tu vois, en faisant ça. Du coup, on trouve des... Ah, tu vois. Oh merde! Non, non, non! J'étais bloqué en plus, de ouf. Il est où? Le truc bloqué ou c'est rebloqué ou c'est rebloqué? Bon, je touche pas là. Ah, j'ai eu peur. Ah, très bien. Parfait. Parfait. Indécent. Super. C'est quoi, attends? Il n'y a pas un petit poisson? Petit poisson là. Il est rentré dedans? Petit poisson violet? Oh! Trop de titane. Mon inventaire est plein. Quoi, j'en profite pour reprendre une petite pharmacie là. Voilà. J'ai un peu fait mal tout à l'heure. Oh merde. En fait, à chaque fois, je sors du mauvais côté. Voilà. C'est parti. C'est parti. Nous sommes la dignité. Alors, hop. Alors, on peut le faire dormir. Puisque j'ai un superbe lit. Mais le dormir dans ce... Quoi? Pourquoi je peux pas créer ça? J'ai pas de lithium. Métaux rares. J'ai combien de lithium? Ben, 0. Okay. Et bon, j'ai tout pour créer le robot. Alors je te montre quand même un truc, on va couvrir un peu dans les concives. Oups. Ça c'est un peu ma chambre de méditation sur comment je vais conquérir le monde, mais ça c'est ma chambre de... Quoi quand je suis en stress, tu vois. J'ai ce poster par exemple, ça me détend. J'ai cette vision sur rien. Et j'ai un beau petit lit, voilà, pour dormir. Mais ouais, on n'a pas trop besoin de dormir, ce qui est bien. Je pense que si en plus tu devais dormir, ça serait compliqué la life. Après, le jeu il compte en... Comment ça s'appelle? Il compte en temps réel. Comment dire? Attends, je vais faire ça. En fait, quand il te dit vous avez 24 heures pour faire ça, t'as 24 heures de temps réel. Donc il y a quand même cette nuance de... Alors on va quand même construire notre robot. Ta-na-na-na-na-na. C'est parti. Attention, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Nous créons le prawn, c'est-à-dire le robot géant. Enfin, le robot exoskeleton. Il est dans les airs là. Et donc là. Et... Alors donc, c'est un robot qui peut aller à 900 mètres de profondeur, comme vous pouvez le voir. Il peut aussi s'envoler. Retomber. Et en fait, il donne une autre nouvelle dimension au jeu parce qu'il va quand même très très loin. Il peut faire des tas de trucs très très cool. Et on peut le recharger avec ça. Du coup, je vais faire sortir le Simoth. En Simoth ou pas? Voilà. Et en fait, je vais recharger mon robot géant avec ça.
Alors maintenant, la prochaine étape, on va pas brûler les étapes. La prochaine étape, c'est de créer un. Il faut que je trouve un moyen de forer. Là, il va se recharger tout doucement. Je vais voir si je peux. Je sais pas ce que. Qu'est-ce que je peux. Je vais voir si je peux faire des améliorations particulières. Un module commun, ça on s'en fout. Eh hey, oh, reviens là. Alors, module de profondeur, réacteur thermique. Bras à torpille, ça on s'en fout. En fait, il y a un truc. Brown, est-ce que je peux faire. Module de profondeur. M x 2. J'ai pas besoin d'aller trop profond pour le moment. On va garder un petit peu toutes nos denrées. Par contre, à l'heure actuelle, je suis bloqué parce que j'ai pas assez de techno. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petites expéditions pour récupérer à la fois des métaux rares et des technos supplémentaires. Notamment, on va essayer de trouver des... armatos... On va essayer de trouver... Elle est pas chargée. C'est quoi ça? Pas besoin. Bah, des épaves qu'on va explorer. Voilà. Donc on va faire le plein. On va faire ça en cyclops, en simos pour le moment. Et vous inquiétez pas, je sais que vous êtes très excité par le fait d'avoir le comment ça s'appelle. Ouais, la balise Arkham, t'as raison. 2, 3, 4, 5. La balise, t'as raison, j'y vais. La balise. La balise, la balise, la balise. Matos. On va prendre une balise, d'accord. Elle est où la balise? Eh ouais, je l'ai pas mis là. C'est pour ça que j'arrivais pas, je m'en souvenir où elle était. Elle est là. Ça, c'est une autre armoire à matériel que j'ai cachée. Oh, mais c'est là que j'ai mes piles! Oh, super. Ok. Et ah ben j'ai pas de balises là non plus. Elles sont où mes balises? Non. Parce que vous savez, il y a eu, la coque qui a craqué l'autre jour et j'ai pété les plombs. Ah voilà. Il y a encore des piles là. Ah non, c'est des piles mortes. Non, j'ai dit que je prenais qu'une seule balise. Je vais prendre qu'une seule pile, ça va. Enfin, que trois piles, ça y va. Ok. Bon, j'ai de quoi tenir, parfait. Donc là, on va aller d'abord voir cette mystérieuse épave à l'ouest. Et ensuite, je vous emmènerai dans un endroit qui s'appelle les îles flottantes, qui est vachement joli. Attends, l'ouest est où? L'ouest est là. Merci Arkham pour m'avoir rappelé la balise. En fait, avec le Simos, même quand on l'améliore au max de chez Max, on peut pas aller aux dernières zones du jeu. Tandis qu'avec le Prawn et le Cyclops, on peut. Donc c'est pas... Faut que je trouve un endroit donc, pour rentrer dans ce machin. Donc là, a priori on peut pas... Ah. Mais je crois que j'y suis déjà allé. On va voir quand même. J'ai scanné ou pas des trucs? Eh non! J'y suis jamais allé. Yes, de l'eau. Oh là, un peu labyrinthique, hein. On va essayer de pas s'y perdre. On a l'œil sur notre... Notre jauge de vie, hein, notre jauge d'oxygène, tout va bien. Je suis bloqué, mais c'est pas grave. C'est une belle véhicule mobile, j'en ai pas besoin. On peut aller là aussi. J'ai encore le temps, mais faut pas que ça dure. Putain, le labyrinthe, j'ai encore le temps. J'ai pas envie de mourir là, tu vois. Ça c'est quoi?
J'en ai pas besoin, pourquoi je fais ça? Bon, à 100 secondes, je pète les plombs. Hein. Yes, un chargeur de pile, j'ai besoin de ça. Yes, voilà, c'est ça qu'on veut, un chargeur de pile, très bien. Ok, maintenant je rentre par où, là où, je sais pas où je suis passé. Faut que je me souvienne, hein. C'était là? Non, c'était pas là. Ok. C'est pas grave. Là, je regrette tellement de ne pas avoir pris une deuxième bouteille d'oxygène. J'ai hyper peur. J'ai hyper peur. Non, je suis arrivé par là. J'ai plus de... Ah putain, je crois que j'avais plus de piles. Ok, ensuite, je suis rentré par où? Par là. Ok. Allez, j'y retourne. J'y retourne. Y a quoi dans ces trucs là? Ah, y a un datapad. Je le prends. Rien, y a rien. Ok. Alors attends. Je passe par là. Et là, y a un escalier normalement qui descend. Ensuite, y a une coursive sous l'escalier qui est là. Ensuite, on va par là, on va par là. Ok, j'avais 80 secondes comme j'étais bien. Oh, il y a un truc là, c'est quoi? C'était de l'eau, ça c'est un chargeur de pile, j'ai. On passe, ça m'a risqué. Je perds un peu le sens des du haut et du bas là. Ok. Ça c'est un canon à propulsion, j'ai déjà. Alors, j'aurais pu le faire plus tôt, mais je pense que l'exploration de ce truc est vraiment super dangereuse, quoi. J'ai beaucoup d'autres... C'est quoi ça? Station de modification, j'ai. Ça c'est quoi? Ok, et on rentre à la maison. La sortie est par là. Bon, j'ai tout visité. Heureusement qu'on n'entend pas le mec qui fait... Tu sais, il y a ça dans certains jeux. On l'entend un peu quand même. Voilà. On est bien. Bon, je vais construire ce chargeur de piles. Genre si j'ai de quoi le construire. Alors en fait ça change beaucoup de choses le chargeur de piles. C'est vraiment très important. Chargeur de piles. Chargeur de piles. Alors il me faut un kit de câblage et du fil de cuivre. Yes, je peux le faire. Allez, on va créer ce chargeur de piles. On va commencer à charger nos piles et on va explorer un autre endroit ensuite. Ouais, bah en fait en vrai, lune virtuelle, t'as raison de dire ce que tu dis parce que Subnautica, c'est un jeu qui m'apporte de l'effroi et de l'émerveillement en permanence. Et pour moi, c'est une des meilleures choses qui existent. C'est-à-dire que là, tout le monde joue à Sekiro en ce moment, mais Dark Souls, c'était ça, c'est-à-dire que t'avais peur et tu kiffais trop, quoi. Je vais mettre mon beau Simus là, tu vois. Voilà. Ça, je vais pouvoir le voir de l'intérieur. Regardez comme elle est belle ma base. Oh là là. Et encore, je ne me suis pas foulé, hein. Je ne me suis pas posé parce que j'ai envie de faire un petit peu des choses amusantes. Welcome aboard, Captain. Salut. Alors, j'ai besoin de quoi? Oui, excuse-moi, de créer, bien sûr, une dans Matos, j'ai donc mon créateur de... voilà. Que je vais prendre en main. Et là, je vais donc créer mon chargeur de piles. Où es-tu là?
Je pourrais aussi créer un chargeur de grosses piles, mais il n'y en a pas trop. Un petit mètre là, il sera très bien. Il me faut un kit de câblage, fil de cuivre et titane. Alors, titane, déjà, je suis bien doté quand même. Donc, il me faut kit de câblage et fil de cuivre. Donc, il me faut deux cuivres, deux argent. Deux cuivres et deux argent. Ouais putain, quand la base s'est remplie d'eau hier, j'étais vraiment... J'ai dit ça y est, c'est la fin de la partie, mais c'est pas grave, je vous aurais pas emmené dans des endroits si beaux. Non. Allez. Voilà. Yes, regardez-moi ça. Maintenant, nous sommes complètement écolo. Car... Alors où sont toutes mes piles? Je crois que j'ai recréé cette armoire. J'ai toutes mes piles mortes, c'est ça? Un... Celle-là elle est à 100%. Donc, je vais avoir une pile morte là. Dans ma tosse. Le problème de chargement de pile aussi, c'est que ça consomme l'énergie de la base. Donc parfois en fait, tu te retrouves avec une base qui ne fonctionne plus, il n'y a plus d'oxygène parce que ça a tout consommé. Il y a un truc qui est assez cool, c'est qu'on voit aussi le chargement de pile là, comme ça en direct. Je trouve ça assez marrant. Bon, on va manger et on va aller aux îles flottantes. Ce qui m'a aussi en mode extrême, c'est qu'on n'a pas à se soucier du fait que... Attends, voilà. Je suis gavé là. Salut Shingui. Attends, est-ce que j'ai titane à passer? Est-ce que j'ai des trucs en trop? Ah, j'ai de l'eau en trop. On va quand même... stocker encore mon eau là. Je garde deux petites bouteilles d'eau. Hey. Trois bouteilles d'eau. Hey, oh. Trois bouteilles d'eau, c'est un peu beaucoup. Je vais stocker cette bouteille d'eau qui est un peu moins forte. Ok, c'est parti. Alors cette fois-ci, nous allons. Ah, j'ai même pas regardé mon Simus de. Nous allons donc vers l'autre île. Aïe, 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 je me souviens plus. Welcome aboard, Captain. Donc on va aller dans un endroit qui est assez dangereux. Il va falloir agir. Voilà, parce que l'autre île elle est là. Où il va falloir agir avec beaucoup de douceur et de doigté. Man, j'adore les îles flottantes aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé notre endroit à Ruby. C'est cool. La prochaine étape, clairement. Donc, en gros, je vous spoil un peu. Il y a trois. Comment dire? Il y a trois couches dans le jeu. Qui est la couche où on est là. Il y a une couche en dessous. Très très grande. Imaginez toute cette zone qu'on a vue en. Qui est le fond marin, bah, il y a une zone souterraine très très grande, ok, vous allez voir qui va être fabuleuse et merveilleuse. Et encore en dessous, il y a une zone même taille, encore plus grande. Et qu'est-ce que c'est que ça déjà ? Ok. Et la première fois où on va dans la zone souterraine, franchement, on risque réellement sa vie, donc c'est assez compliqué. J'arrive pas à trouver où est l'aurora, c'est un peu chier. Voilà, l'aurora est là, donc, attends. Putain, faut que je... ça doit être en gros par là. Okay. Faut que je fasse un peu attention. Je pourrais aller là, là. Il y a des sales bestioles là-bas, à moins que j'aille tout doucement. Voilà, donc là c'est le royaume des îles flottantes. Donc en fait, vous voyez, ça c'est des petits morceaux d'îles qui sont flottantes parce que elles sont enfin, il y a dedans des composants qui les font flotter. Et il y a cette grosse que je cherchais. Oh merde! Oh, putain,
Cette grosse épave. The land masses suspended here suggest they once floated on the surface. Ok, alors il faut que je me cache. Oh merde! Tiens là, qui sont un peu relous. Un peu agressif. Dès que je suis à 60, je mets les voiles. Hein. Il faut que je trouve un moyen quand même d'explorer cette grosse épave. D'accord. Ok. J'ai compris. Oh là là, je suis à 55. D'accord, bah, je suis obligé de m'en aller. Je m'enfuis. Ah putain. Ah, elles sont encore en train de me poursuivre, les choses affreuses. Bon. Ok. Ah merde. Ok, je remonte à la surface et je m'en vais. C'est bien fait bolosser, j'ai compris. J'ai vraiment envie de pleurer là. Alors, ok, je vais aller par là. Il y a mon prawn. Peut-être que je devrais y aller avec le prawn. Parce qu'en fait, le prawn, il peut donner des coups de... Ok. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est... Quoi? Il est encore en train de me poursuivre? C'est pas possible! Il faut que je vais essayer de le... Ah, je suis encore dans les îles flottantes, c'est pour ça. Je vais devoir juste fuir. En fait, je voulais... À un moment, je voulais genre... Oh, putain. Je vais mal, là. Ok, est-ce qu'il me suit encore, non? Je suis pas, ok. Ok, on va genre réparer. En fait, à un moment, il faut s'avouer vaincu, d'accord? Donc là, je m'avoue vaincu. Ça veut pas dire... Okay, c'est terminé. Alors, je vais tenter... Deuxième essai, non, c'est dangereux là aussi. Je vais y aller avec le plan. Voilà, allez, on va y aller avec le plan. Heureusement que cette base magnifique. En fait, ce que je pourrais faire, c'est genre, je me mets sur le siège dans la base et je discute avec vous. Allez. J'arrête de jouer à ce jeu hyper stressant. Alors, il faut que je rentre dans la base, dans le. Vous voyez, ma base elle a 1975 parce que je suis en train de prendre à mort là, toute l'énergie pour charger les piles. Alors je vais quand même prendre quoi? Je vais prendre... oui, ça c'est un truc de stockage qui permet de... hop. Je vais rajouter dans le module... Entrer dans le point, c'est bon les modules. C'est amélioration. Je rajoute ce petit module de stockage qui me permet d'avoir un petit peu plus d'espace pour ramasser sous destination avec le prawn. On va aller là. Attends, il est où? Oh non, non, pas ça. Pas cette chose. C'est le petit poisson qui rend. Alors. Là, il y a l'île, la grosse île.
J'arrive pas à voir où est le truc à 1200 mètres là. Ah, il est là. Donc là, au fond de l'océan, il y a cette capsule de survie. C'est parti. Donc le Brown, il peut avancer lourdement comme ça. C'est un peu relou. Il peut aussi donner des coups de poing. Bam, bam, tu vois. Et surtout, il a une sorte de jet dans le dos, tu vois. Psh, il propulse son dos. Ce qui est très pratique. Ah putain, attends, il faut que je fasse un truc quand même. J'ai un problème. Ok. Il faut que j'aille manger. On peut améliorer. On peut l'améliorer le jet. Et surtout, on peut lui mettre à un moment un bras grappin. Donc là, quand t'as le bras grappin, il est partout quoi. Alors, c'est en train de charger, c'est bien. Il reste plus beaucoup. Ah, ici, il reste. Ok, on va boire. Boire, boire, boire. Voilà. Voilà. C'est longtemps. Ça fait aussi 6 jours que je ne nourris que d'arbres bulbes. Oh, c'est pas mal. Alors, donc on retourne. Parfois il est bloqué par des merdes. Ça m'est arrivé aussi, il tombe en rade d'énergie. Parce que lui il a pas une batterie, il en a deux. Ah, on peut aussi sauter. Et au-dessus de l'océan. Ça arrive aussi qu'il tombe en rade de batterie. Et je fais des petits jets pour essayer d'avoir une sorte de vol vertical. Donc je vais avec mon Simos avec des batteries pour le remettre. Et après il faut que j'aille retrouver le Simos à la main, c'est mortel. Attendez une petite seconde, j'ai un petit problème de connexion. Les allers-retours sont assez longs. La première fois que j'ai eu le Simos, vraiment j'étais tellement excité que je suis allé genre dans l'endroit le plus profond que je connaissais, qui était un endroit à moins 600 mètres. Et c'est un abysse vertical. Et j'ai cru que jamais je pourrais en sortir. Et j'ai tellement chié pour avoir des rubis, faire mon Simos, tout ça, et je ne pourrais jamais retrouver. J'étais complètement dégoûté. Et finalement, vraiment en triche. Alors il y a un truc qui est bon, bien que le Simos, si je vous montre, c'est que. Ah merde. En fait, je peux ramasser là, je pourrais le ramasser à la main. Je peux le faire. Lui là, je donne des coups là. Allez, je te déteste. Maltraitance envers les requins. Bon, il est super costaud aussi. Hein. C'est vraiment très agréable de travailler comme ça. Donc là par exemple, là, je vais vous montrer un truc cool avec le Simos. Donc là il y a cette petite boule, je peux la perforer, ensuite la prendre. Ah non, alors il est un peu plus lent, hein. il faut que la main... Alors, une fois qu'on a là, allez arrête de bouger. Allez, ah, j'arrive pas. Non, j'ai pas le dépôt de sel, j'ai l'argent. Bon, c'est dans d'autres circonstances c'est plus simple. Mais... Hop, il le met dans sa hotte. Et j'ai une grande hotte dans laquelle je peux mettre des tas de trucs. C'est très agréable. Nous arrivons dans la forêt de champignons. Nous avons 93% d'énergie. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai pas trop soif. J'ai cru. Il
peut aussi aller à 900 mètres de profondeur, ce qui est quand même très cool. Qu'est-ce que c'est? Oh, du lithium, je prends. Voilà. J'ai avec le lithium poussé au bas des champignons, c'était fantastique. Ta-da-da-da-da-da. Ah, je suis coincé. Alors j'avance au rat, je pourrais sauter par ce champignon, mais c'est assez intéressant d'avancer au rat. Parce que dans la zone champignon, il y a beaucoup d'upgrades intéressantes. J'ai peur, mais je l'ai appelé rien du tout parce que je suis dans le stress. J'ai eu des problèmes. Okay. Alors si t'as... Oh merde, qui m'a attaqué? Toi? Ah, c'est encore un méchant. Ça veut dire qu'avec l'île flottante, je pourrais y aller avec lui. Il fait un peu mal quand même. Donc quand j'ai une foreuse, je peux forer dans ces trucs. Et il va falloir trouver la foreuse. Ça c'est... Je sais pas où est-ce que je la trouverai, mais... Mais une fois que j'ai la foreuse, alors là, je peux enclencher la phase... on va au deuxième étage. Allez, on plonge. Je les ai un peu éloignés, donc on va tenter une sortie, d'accord, sans mourir. Ok. Je récupère le canon à répulsion, c'est super parce que je l'ai déjà. Ça valait vraiment le coup de ouf. Ah putain, rien. Pas des trucs. Rien d'autre. Oh, le voyage inutile, quoi. Oh là là, le voyage inutile. Je suis deck de chez deck. Ok, c'est pas grave. On va aller aux îles flottantes du coup. Mais le voyage est un peu inutile quand même. Bon, je vais essayer de monter tout en haut là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches? Ok, j'ai 88. Bon, on va tenter l'île flottante, ok? Non, 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 pas ça. Pas les trucs électriques, hein, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Il faut que je fasse aussi attention à un truc, parce qu'il y a un... En fait, quand on sort de la zone de jeu, alors là, tu es sûr que c'est la mort certaine. Qu'est-ce que c'est, ça? Vraiment celle de scanner, ça c'est OZEF. Attends, qu'est-ce que c'est ça là? Un transmetteur de puissance. Pas très utile, mais. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ennemis là. Ah. Il y a un ennemi ou pas? Ok. Alors, on va tenter une sortie, d'accord? Je vérifie un peu partout. En plus, j'ai des sautes de. Ok, allez, on tente. Je peux sortir? Je vais te réparer déjà. Non, non, non! Attends, j'ai de les pharmacies ou pas? Yes. Allez, casse-toi! C'est quoi, je vais le chercher là? Je vais venir au contact. Et pourquoi je. Putain, ça saute! Allez! Voilà, casse-toi!
Voilà. Ça me déplaît de faire du mal aux animaux, mais... À un moment... Oh non, pas toi. Voilà, très bien. On était donc en train de réparer. Voilà, maintenant il est en pleine forme. Ensuite, on va scanner ça. Voilà. Ok. Alors ensuite, je vais scanner. Ah non, j'en ai déjà. J'ai déjà le blueprint. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin? C'est immense ce truc, c'est quoi ça? C'est rien. Fragment de salle de scanner. La salle de scanner, ça sert vraiment pour le premier run, parce que tu sais pas... Ça c'est quoi? Ça scanne. Ça sert vraiment pour le premier run parce que ça te permet de... Oh yes. C'est ça, où sont les trucs, genre les rubis. Ah, unité de confinement pour aliens, c'est pas mal. Ça, c'est un truc qui permet de, quand t'as un œuf, tu le mets et ça te... Débris métallique, ça on s'en fout. Les trucs, oh yes. Allez, on va là-dedans. Si je peux. Allez, viens. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est rien. Okay. Alors, on va découper au laser. Non, ça c'est un truc pour réparer. Ah. Allez, on découpe à la abyss. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Évidemment, on voit rien. Alors, un canon à répulsion, ça on s'en tape. Fragment de fusée à stase, on s'en tape. C'est quoi? Encore un fragment de fusée à stase? Une valise, ça peut être utile. Elle a l'air d'être vide. Ok, il me reste 159. Attends, mais il n'y a que ça? Y'a rien. Ah merde! Qu'est-ce qui m'a fait mal comme ça? Bon, je vais prendre la balise. Hein. Ah, il y a une autre entrée. Allez. Ok, truc bien. Je vais refaire le plein d'oxygène. Ok. Allez, je vais rentrer là, s'il te plaît. On reprend ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Ça, c'est quoi? Un pot à plantes, mais élégant. Ok. Merci, Ikea. Basique, ça, je l'avais pas. Ok. Ça, c'est quoi? Non, ça, je l'ai déjà. Si je l'ai. Ça, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est cet objet? De l'eau désinfectée, super. Attends. Ça c'est quoi? Je peux le prendre ou pas? Je peux le scanner? C'est rien? Ok, je l'ai déjà. Ok, on va ouvrir ça. Allez, oh merde! D'accord, et ça c'est quoi? Un transmetteur de puissance. Allez, on a fait ce qu'on voulait faire. J'ai rien trouvé encore de transcendantal, donc on va... Expédition. Si j'ai techno, mais je me sens... Attends, genre, là... C'est quoi comme techno que j'ai trouvé récemment, là? Les modèles... Je sais pas ce que je viens... Oh putain, si vous vous souvenez de la techno que j'ai trouvé juste avant, là? Pas le transmetteur de puissance, mais juste après. Putain, je vois pas du tout où on est là. J'ai même pas mis une balise pour l'île. Attends, si ça, le Simus c'est là et l'île est là. Donc en fait, il faut que j'aille par là.
Rien ne va. J'adore ce jeu. Je suis vraiment... J'ai peur, mais... J'ai beaucoup de plaisir. Mais un truc qui est bien, c'est que quand tu donnes des coups de poing dans le nez d'un requin, c'est bon à savoir, quelque chose que je savais pas, il arrête de t'ennuyer. Ça, je sais rien, je ne m'y tenterai pas. Alors attends, j'essaie de... L'île est là. Non, il faut que j'aille par là. Quoi? Tiens, par exemple, bam! Illustration. Faut absolument que j'aille sur l'île pour poser une balise parce que sinon j'arriverai pas à trianguler. Parce que, attends, si l'île est là, et que Simus est là, c'est-à-dire que l'autre île doit être par là. Ça devrait pas descendre d'après mes calculs, mais pour une raison inconnue, ça descend. Mais c'est pas possible. T'arrêtes ou pas ? Ça devrait pas être plus profond là, ça devrait être moins profond. Je comprends pas. Ok, vous savez ce que je vais faire? Je vais jouer la sécurité, je vais rentrer tranquillement dans ma base. Ok. Là où il n'y a pas d'affreux monstres. Et ensuite, je répare l'incubateur alien. Ah oui, l'incubateur alien, c'est trop bien. Ok. Je suis comme dans les mangas, j'ai... Ah non, non, attends, attends, attends. Voilà. Allez, casse-toi. Je fais... C'est affreux ce que je fais, hein. N'appelez pas la SPA. Il y a un moment qui est fou dans ce jeu, c'est que genre t'es à moins 900 mètres et tu vois des abysses insondables en dessous de toi. Ah non, mais je voulais pas du tout aller là. Désolé les gars. Il y a combien de... Aïe, ok, c'est une grotte, d'accord. Je voulais pas aller dans cette grotte. Non, je veux pas descendre dans la grotte non plus. Oh putain, non, 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 c'est pas le moment, s'il vous plaît. Ok, 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 okay, on se calme. Oh non, il y a des rubis, mais... Tellement de... Ah putain, il y a un geyser, ça c'est l'enfer. Et je suis en enfer. Oubliez-moi les affreux. Non, je suis dans le geyser. J'ai réussi à tomber dans le geyser de flammes. Oh putain, mais je suis vraiment... Je joue de malchance. En plus, je pourrais pas reconstruire le... Cet affreux... Enfin, ce robot géant, quoi. Parce que il faudrait que je retourne chercher les rubis, c'est-à-dire j'aurais perdu tout, quoi. Tout. Toute la journée, j'aurais perdu. Et je serai en vie, donc je serai heureux. C'est ça que je voulais dire. Mais... Laissez-moi les affreux, laissez-moi. Ok. Me suivez. Okay. Ok, je suis encore en vie. Je suis encore en vie. C'est quoi, on va se poser tranquille sur un champignon. Loin des horreurs de la mort. Est-ce qu'il m'a suivi ou pas? Ah putain, il m'a un peu suivi. Ok, c'est pas grave.
faut que je boive. Alors. Ok, ok, ok. Là, je suis bien caché dans la forêt des champignons. La forêt, c'est plutôt un lieu agréable. Allez, on répare. Je vais fêter le fait d'avoir survécu avec une bonne bouteille d'eau. Ah, je l'ai bien mérité, non ? Alors, ma base est là-bas. C'est dans cette forêt de champignons que j'ai trouvé tous les... On va allonger un peu les champignons de ce côté-là. Allez, allez. Oh putain, je suis bloqué. Il faudrait la foreuse. La foreuse. Ok, on va tenter une deuxième expédition. Donc déjà, je vais rentrer. On va recharger. J'aimerais bien améliorer le... C'est quoi ça? J'aimerais bien améliorer les jets là. Elle est plus que 400 mètres et j'y suis. Et de la merde. Le nord-est, non, le nord-est c'est bon, le nord-est j'ai fait ça tout à l'heure. C'est explorer et c'est fini. Oh, elle a une petite grotte. Ça donne envie, non? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Plus spécial ou pas? Ah merde, ah merde. Ce machin là, vous voyez là, ce truc. Ah bon, on s'en va. Bon, d'un autre côté, on a réussi à vider l'objectif là, c'est cool. Donc, je sais qu'il y a deux épaves encore, deux épaves importantes. Donc il y a celle de l'île flottante qui est un peu compliquée, mais avec le plan c'est faisable. Il faudra juste que je donne des coups de poing dans les. Dans les requins. Et je sais qu'il y en a une autre qui est beaucoup plus dangereuse, mais dans le sud, plein sud. Y aller tout de suite. Attention. Fait là, il est insupportable ce truc. Qu'est-ce qu'il fait là, là? J'aimerais le tuer une bonne fois pour toutes. Alors attends, je vais filer. Voilà, j'ouvre son stockage. Je vais faire les trois trucs. C'est ouf qu'il y en ait un là, de machin. Ok. Je veux juste voir. Attends.
Station de modification Prawn. Je peux rien faire à part ça, et ça c'est quoi? Bon, je le prends, ça peut être utile. Maintenant j'ai un couteau qui cuit les poissons. Minute. Aïe, chut. Mon prendre mais rentrer dedans. Si je mourrais comme ça, ce serait vraiment très con. Hein. Mais j'ai failli mourir comme ça. Alors. J'ai pas fait la moon pool la plus simple, mais. C'est parti. Voilà. Oups. Ok, alors. Juste savoir comment je. Est-ce que je peux améliorer ça? Profondeur. Réacteur thermique. Non. Propulseur, ça je voudrais. Il faudrait du soufre cristallin. Alors ça c'est mortel dur à trouver. Et du nickel. Ça c'est chaud aussi. Ah putain, c'est chiant. Et ça c'est quoi? Bras torpille. Il est mort encore. Ok. Je vais laisser le prendre là. Je vais me soigner. Et ensuite je vais manger. J'espère que je peux encore couper avec mon couteau. Il est en croissance. Yep. Attends. J'ai aussi une sorte de valise que je vais poser quelque part. Alors j'ai pas compris, il y a un système de containers dans le jeu. J'ai absolument mais pas compris comment ça marche. Donc je la mets là, la valise. Allez, hop. Allez, encore un petit. Ah. J'en mange un et j'en plante un. On va vider aussi... Donc là les piles sont pleines j'imagine. Alors... je garde tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, en attendant que mon plan se recharge, je vais prendre mon Simos. Et je vais aller, je me souviens plus où. Oh, je vais aller tranquillement dans la forêt de champignons. Vous savez quoi? Je vais faire un truc encore plus utile. Je vais aller poster une balise sur l'île. Sur l'autre île. Parce que... parce que à chaque fois je me perds. Oui, je mets les rediffs de Subnautica sur ma chaîne, donc tu peux sans problème. Alors attends, il est là. Ok, on s'est bon truc. Tu peux regarder toute l'aventure. En fait, si j'arrive à finir le jeu sans perdre, effectivement, tu pourras voir tout le jeu en entier. Sachant que là c'est mon deuxième run et il y a des zones que j'avais jamais vues. Et 30 degrés le... Je vois juste s'il y a quelque chose là-dedans. C'est quoi? Ah, c'est un découpeur, on s'en fout. Aïe. Là, ça tombe dans une sorte d'abysse, ok, avec des méchants. Je regarde quand même un peu. Wow. Bon, je remonte, hein. J'ai un peu peur. Ah, vraiment? Bah, le début est assez ouf. Non, 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 non.
Non, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Là, j'ai le message de vous êtes ressorti des limites du jeu et vous allez vous faire bouffer. Alors, par contre, il n'y a pas une île dans le coin. J'en ai marre de tout, de la vie. Ah, c'est les champignons. C'est pas là où je voulais aller, mais... Alors... On ne sait quoi. Ok, j'arriverai pas comme ça. Okay. Deuxième technique. Je vais sur l'autre île, et il y a un passage secret. Okay, pour aller d'une île à l'autre. Vous savez, les téléporteurs. Donc on va, je vais utiliser ça pour me repérer. J'arriverai pas. C'est fou, hein. Heureusement que vous m'avez dit les balises. Hein. Il y a une profondeur de champ qui est vachement plus grande qu'avant. Hein. Ils sont vraiment améliorés. Non, pas du tout, parce que Gorespace s'est arrêté et pour en faire le deuil, j'ai acheté Subnautica. Donc ça marche dans l'autre sens. J'ai l'impression que le soleil se couche. À moins que ce soit une éclipse. Bon, quand même, on a fait un truc aujourd'hui, c'est que je me suis connecté et j'ai dit objectif Ruby et... Et on a trouvé des rubis, donc et on a créé le prend, donc on s'est pas levé pour rien. Ah, la nuit est bien tombée, hein. Alors, faudrait que j'aille trouver, faudrait que je m'écrase. Vous voyez les arbres qui brillent la nuit, ça. Là, voilà. Putain, mais l'eau la nuit, c'est tellement terrible. Allez. J'essaie de trouver le passage secret. Ouais, ça se... Ah, mais attends. Toi, espèce de petite salope là. Viens. Ah non, mais je veux pas ramasser ça. Ah, ça le tue en deux coups maintenant. Super. Par contre, j'ai ramassé des graines complètement aux œufs. J'aime pas déposer des trucs dans la nature comme ça. Parce que... En fait, le jeu les retient quand tu déposes quelque chose quelque part. Et du coup, ça surcharge vachement la mémoire. Attends, je suis arrivé par où? On va faire ça. Même sur la terre ferme, il y a des petits bruits chelous, quoi. Ah, il y a de l'arbre bulbe.